Vous recherchez un sécateur électrique, mais vous ne savez pas lequel choisir. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs sécateurs électriques qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Donc, ça va vous permettre d'aller couper des branches bon, assez petites, hein, avec un diamètre souvent qui ne dépasse pas 4 ou 5 cm. De manière totalement automatique, sans devoir forcer, sans devoir avoir beaucoup de force dans la poigne, ce qui n'est peut-être pas votre cas, et sans se fatiguer également. Donc voilà, quand on a beaucoup de branches à couper, c'est quand même assez intéressant de se porter vers ce genre d'appareil. On va donc voir les mieux notés par ordre de prix décroissant, en espérant que ça vous fera gagner du temps pour ce choix. Et pour commander un des produits présentés, il y aura tous les liens en description. On va donc commencer avec le premier modèle qui sera le Komok sécateur électrique sans fil. Hein. Il va fonctionner sur batterie, hein, donc au moins vous n'aurez pas à vous embêter, même si vous allez devoir couper des branches à une grande distance, peut-être de là où vous avez une prise, il n'y aura aucun souci. Et d'ailleurs, tous les autres modèles que je vous présenterai seront électriques et sans fil sur batterie. Donc c'est un modèle avec un moteur en cuivre hein, de haute efficacité avec 1000 watts, donc une assez haute puissance, et donc ça permettra de couper des branches d'un diamètre jusqu'à 42 mm pour vraiment les couper très efficacement en moins d'une seconde, hein, comme si vous coupiez du beurre. Donc ce sera très efficace. On aura des batteries de grande capacité, donc vous pourrez l'utiliser pendant plus de 8 heures d'affilée sans devoir recharger. Ce sera un modèle léger, compact, prêt à l'emploi, etc. Et le bémol, par contre, c'est le prix qui est effectivement élevé pour un sécateur électrique. C'est quand même pas donné du tout. En tout cas, je vais vous présenter juste après des produits plus accessibles. Donc, on peut dire que le prix est clairement un point négatif. En tout cas, ce sera donc le premier lien en description. Le deuxième, c'est le K-Klesi sécateur électrique sans fil également. Donc, c'est un modèle qui aura certains avantages. Un prix qui sera déjà bien plus bas. Pour voilà, presque ouais, c'est ça, 100 euros de moins, donc il est bien moins cher que le modèle précédent, mais il sera par contre moins puissant. Vous aurez cette fois-ci un moteur à 600 watts, donc ça reste puissant, mais quand même beaucoup moins. Et la capacité sera aussi moindre, puisque cette fois-ci vous pourrez couper des branches jusqu'à un diamètre de 30 mm ou voilà, 3 cm, alors que c'était 42 sur le modèle précédent, donc ça vous limitera au niveau des capacités. Après, on a aussi une longue autonomie, une large application, hein. Mais il faut voir est-ce que vous préférez payer plus cher et avoir une capacité un peu plus élevée, ou si voilà, cette capacité de 30 mm de diamètre vous suffit et que vous avez un budget un peu plus restreint, et eh bien ce choix-là sera meilleur. En tout cas, il est extrêmement bien noté ce modèle, hein, à 4,8 étoiles en moyenne sur plus de 170 évaluations. Et on terminera avec un dernier modèle qui est le Dragro sécateur électrique. Donc ce modèle est encore une fois moins cher que bah, les deux autres. Hein. Cette fois-ci, ça devient vraiment un prix qu'on peut considérer comme accessible. Toujours une bonne moyenne avec 4,6 étoiles sur 5 sur plus de 420 évaluations. Et cette fois-ci, la capacité sera de 30 mm, donc exactement comme le modèle précédent. Donc on aura une puissance assez similaire. Encore une fois, une durée de la batterie qui sera assez intéressante. Donc ça pourra, en fait, forcément, ça dépend de votre utilisation, mais vous devriez pouvoir faire votre travail en une fois sans avoir à aller recharger l'appareil sans aucun problème. En gros, après 1,5 heure, donc 1 heure et demie de charge, vous pourrez effectuer plusieurs milliers de coupes. Donc voilà, ça devrait, je pense, suffire. Ce sera un modèle portable, efficient, hein, qui sera pas trop lourd, donc vous pourrez le porter des heures sans problème. Et donc, pour voir plus d'infos, ce sera le troisième et dernier lien de la description. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps. Donc pour ce choix-là, en tout cas, il y a tous les liens comme indiqué dans la description de la vidéo par ordre d'apparition des produits dans la sélection. Donc si vous souhaitez voir plus de détails, hein, tels que les évaluations, les prix, plus de détails techniques ou commander un des sécateurs électriques, eh bien passez directement par les liens en dessous.
J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très vite.